Non, non, reste à gauche. Reste où? Allez, go, 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 go. Attention, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, après. Attends, ah putain! Oh là là! Ça sera pas. Madame, on marque, ça fait mal, doucement, madame. C'est dangereux, ça. Lâche. Lâchez-moi.
mains, deux mains les filles. Attention,
Quelqu'un qui serait dispo pour aller chercher du bateau chez moi et me l'apporter à Montparnasse. Merci. Allez. Extinction. C'est pas égal, hein.
il y a de l'eau, genre je vois nickel sac BM, le sac 2 euros quoi. Ouais ouais. Le sac, ouais, le sac de VU il est bien, le SPAC noir. Ok. Ouais mais il arrive. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'il s'est passé ce matin? Alors, de ce que j'ai compris, on est au siège de Amundi, qui est une banque qui finance Total Energy. Et donc, ce matin, il y a eu pas mal de militants qui sont entrés de force dans le bâtiment. Donc, il y a eu un peu de raffus avec les vigiles, etc. Et ils se sont fait expulser, là, récemment. Pourquoi cibler Amundi? Pourquoi cibler Total? Alors, ils pourront répondre, ils ont beaucoup de chiffres. Mais moi, de ce que je sais, c'est que Total Energy est quand même l'un des principaux... C'est le deuxième entreprise au monde qui finance le plus de bombes carbone. Amundi est l'un de ses financeurs principaux. Et globalement, les banques ont une responsabilité énorme dans le fait que ces entreprises-là, elles peuvent continuer les projets. Et je pense que Total Energy, ils ont aussi une stratégie qui fausse la perception qu'ont la population d'eux. Et c'est pas bien, tout simplement, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oui, mais ils font du renouvelable, ils font du solaire, etc. » Mais en fait, tant qu'ils continuent à financer les énergies fossiles, ça nous met en danger pour notre avenir. Donc, il faut continuer de se mobiliser contre ces projets-là et contre leur greenwashing. Ce mode d'action là, avec des militants qui cassent des vitres, ça monte un pont d'écran par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu plus radical, ce serait le terme? Moi, je ne fais pas beaucoup de ces actions-là. Donc globalement, je pense que dans tous les mouvements, il y a besoin d'une branche radicale pour soutenir aussi la branche qui est plus institutionnelle. Il y en a besoin. Après, globalement, ici, ça reste de la non-violence. Donc on ne tape pas les gens, on ne frappe pas, on n'a pas d'action physique. Donc voilà. Je pense qu'Amundi aura les moyens de réparer les vitres. Nous, on n'a pas forcément les moyens de protéger notre avenir. Ils nous disent qu'ils vont nous faire sortir de manière perlée, au goutte à goutte. Est-ce qui s'est passé ce matin? On est devant le siège social de Amundi, donc de Crédit Agricole, parce qu'ils sont en train de faire leur assemblée générale. Ils sont actuellement à l'intérieur. En même temps, il y a l'assemblée générale de Total Energy, donc des rendez-vous annuels où ils décident de la stratégie climat, de la poursuite de l'expansion fossile. C'est exactement ce qui est en train de jouer à l'intérieur. Donc il faut imaginer le truc, des actionnaires individuels, des groupes investisseurs qui sont face à un bouton. Est-ce qu'on détruit la planète mais on fait plein de profits? Ou est-ce qu'on décide d'écouter un peu la société civile, les scientifiques, les organisations, tout le monde qui demande un petit peu de justice, juste un petit peu quoi. Donc là, Total Energy, c'est la deuxième plus grosse expansion fossile, c'est ceux qui ouvrent le plus de nouveaux projets fossiles en Afrique. Ils ont 70% de leur investissement tous les ans, toujours dans les énergies fossiles, malgré ce qu'ils font dans les renouvelables, ça ne peut pas excuser la destruction du monde qu'ils sont en train d'opérer depuis 50 ans. Sur le mode d'action, on a vu des militants avec des marteaux casser les vitres. Ça monte d'un cran par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Ouais, bah après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je sais juste que la violence, elle n'est pas seulement là, parmi les activistes. Je le disais hier à mes parents qui me disaient « Va pas à l'Assemblée Générale, ça risque d'être violent, la violence, c'est pas bien, ça résout rien. » Et je leur ai dit « Je suis assez déçu par ce que vous me dites parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point les décisions qui sont prises à l'intérieur, avec des cols blancs, avec des petits pichets d'eau autour d'un joli buffet, elles sont extrêmement violentes. On a parmi nous aujourd'hui un des huit plaignants de la plainte que Bloom, Nuestro Futuro et Alliance Planétaire viennent de poser au pénal contre Total Energy, ses actionnaires, ses dirigeants. Ce plaignant-là, qui vient de Belgique, il avait 14 ans quand il a été emporté par une inondation rendue plus extrême et plus intense par le changement climatique. Il a perdu sa meilleure amie, Rosa, dans ses eaux. Ça, c'est la vraie violence. C'est des gens qui meurent, c'est des gens qui perdent des proches, c'est des gens qui perdent leur famille, leurs rêves. Et ça arrive de plus en plus. Il y a déjà 4 millions de personnes qui sont mortes à cause du changement climatique, seulement du changement climatique depuis 20 ans. Et
pour Total Energy, c'est 2 millions de personnes qui pourraient mourir d'ici 2100, seulement imputables à Total Energy. Le plan global des Carbon Majors mondial, c'est 12 millions de personnes qui pourraient mourir. Ça, pour moi, c'est la vraie violence. Après, qu'on aille me dire ils ont cassé des vitres avec des marteaux, franchement, ça me ferait bien rire, quoi. On est devant le siège d'Amundi. Ce qui était prévu, c'est d'aller au siège de Total à la Défense pour interpeller le président, l'AG, pour dénoncer leur nouveau projet fossile notamment. Il y avait un dispositif policier qui était démesuré sur place. Comme les consensus de ces actions, c'est d'être non violent, on n'a pas voulu envoyer les activistes au carton et donc on a changé de plan. On est venu devant Amundi, qui est un des plus gros financeurs de Total, sans qui tous les projets climaticides du groupe ne pourraient pas voir le jour. Ce genre d'action, c'est nécessaire pour se faire entendre? Bien sûr, c'est nécessaire, ça fait partie d'un continuum d'actions. Moi, je suis là en tant que scientifique, on a un groupe de scientifiques ici. Mes collègues, ça fait des décennies qu'ils empilent rapport sur rapport sur rapport sur rapport, il n'y a rien qui change. Ça fait un moment aussi qu'il y a des citoyens qui font des marches, qui font des manifestations, il y a des tribunes, des pétitions, des actions en justice, des actions de désobéissance civile comme aujourd'hui. Ça fait partie des modes d'action les plus engagés. Malgré tout, ça reste toujours non violent. Ça, c'est un consensus qui est indiscutable. On s'en prend jamais aux personnes. Il y a des dégradations un peu légères de la peinture pour la symbolique, pour marquer le coup. Mais voilà, oui, c'est nécessaire, c'est indispensable. Il n'y a pas eu de violence contre les personnes, mais il y a des vitres brisées avec des coups de marteau. Ça monte quand même d'un cran par rapport à d'autres actions qu'on a pu connaître. C'est nécessaire comme ça de monter d'un cran pour se faire entendre, pour se faire voir? Je pense que oui. J'ai pas vu les détails de tout ça. Moi, on soutient tous les modes d'action, quels qu'ils soient. Tant qu'il n'y a pas d'atteinte aux personnes, ça c'est une ligne rouge, c'est clair. Des dégradations légères, en comparaison des dégâts qui sont faits par ces entreprises, mais c'est ridicule, c'est ridicule. C'est symbolique, ça marque le coup, évidemment. C'est illégal. Contrairement aux actions de ces grands groupes qui sont légales d'ailleurs, il y a les forces de l'ordre qui sont là pour les protéger. Donc il y a une complicité aussi du gouvernement et de l'État vis-à-vis de ces grands groupes qui prennent ces décisions qui sont criminelles pour toute l'humanité. Moi je pense qu'on peut dire vraiment que l'humanité en situation de légitime défense face à ces grands groupes et aux conséquences climatiques, aux conséquences sur les droits humains aussi. Il y avait des représentants, un début de cette action, c'était de mettre au premier plan des représentants des communautés autochtones du Pérou, du Mozambique, de l'Ouganda qui sont directement impactés par les projets pétro-gaziers de Total qui auraient dû prendre la parole. Je ne sais pas si ça va pouvoir avoir lieu, mais ça c'est des violences qui sont incommensurables avec les dégradations qui sont faites ici. Extirper tout le monde au bout à bout pour contrôle d'identité, au moins, mais a priori on n'a pas d'infos sur plus, mais contrôle d'identité. L'idée c'est de nous emmener au bout à bout au commissariat pour un contrôle d'identité. Négatif. Non. Non. C'est mort. Non. 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 La demande c'est que ça se passe bien sans que personne résiste, mais c'est à vous de décider. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui est en train de se passer? On est devant l'assemblée, le siège d'Amundi et on essaye de bloquer l'assemblée générale qui est aujourd'hui puisque du coup on n'a pas pu aller sur le site de Total. Pourquoi vous voulez bloquer cette assemblée générale? Parce que Total et Amundi sont gestionnaires d'actifs qui est une filiale du Crédit Agricole. Sont des entreprises qui sont climaticides et qui détruisent le vivant et violent les droits humains à l'international. C'est important pour vous de participer à ce genre d'action? Oui, je pense que c'est l'humanité entière qui est concernée en fait par les conséquences des activités d'entreprises comme Total Energy, qui fait partie des 100 entreprises les plus polluantes au monde. Et Amundi est largement responsable aussi des financements des projets de Total qui sont portés par Total Energy, comme le projet ICOP, notamment. Vous menez comme ça des actions fortes pour se faire entendre, pour se faire écouter par le gouvernement, peut-être? Malheureusement, oui, on n'a pas le choix, parce que... Enfin, aujourd'hui, le gouvernement n'écoute pas, enfin, les politiques ne... Enfin, quand on voit même la répression qui est menée contre les mouvements écologistes aujourd'hui... On essaye de se faire entendre comme on peut, en fait. C'est important de mener ces actions, parfois d'aller de plus en plus loin pour se faire entendre. Oui, je pense. Oui. Tout à l'heure, il y a des militants qui ont cassé des vitres.
Il n'y a pas de violence physique, mais c'est un mode d'action de plus en plus chaud, on va dire, pour se faire entendre, pour se faire écouter. Ouais, en fait, le but, c'est de faire en sorte que ces entreprises... Sur ce mode d'action, est-ce qu'il faut aller de plus en plus loin dans la dégradation, pas les violences physiques, pour se faire entendre, c'est nécessaire, sinon ça bouge pas assez? Enfin, la violence physique est à exclure, évidemment, mais en fait, Enfin, c'est plutôt de l'autre... Enfin, dans l'autre sens que c'est de plus en plus violent. C'est la répression qui est de plus en plus violente pour empêcher des manifestations et empêcher de se faire entendre, en fait, qu'on est obligé de... Vous voulez plus loin, plus fort? Oui. Ah ça, je sais pas, ça dépendra de la répression qu'il y a dans l'autre sens, en fait. Vous, ça vous choque pas? On est du bon côté de l'histoire, en fait, donc... Pour s'assurer que tout se passe bien avec les forces de l'ordre, je sais que c'est toujours compliqué, mais quand il y a des élus, j'ai pu constater par expérience que ça se passait toujours un peu mieux. La deuxième chose, c'est pour vous dire que si on est ici, c'est d'abord parce qu'on vous trouve sympa, mais surtout parce qu'on pense que vous êtes dans le vrai. Inconvenant, presque dégueulasse, de voir une entreprise faire plus de 21 milliards d'euros de bénéfices sur l'industrie carbone qui est en train de nous mettre dans le mur. Parce qu'on pense qu'il faut impérativement changer, parce qu'on pense que ce type d'action, elle est très importante, parce qu'elle montre que non, nous ne sommes pas d'accord, que oui, nous souhaitons un autre monde. Vous le faites ici, nous le faisons aussi dans les institutions dans lesquelles nous sommes élus. Et je voulais aussi vous dire que ce message de soutien, je le partage avec Marie Toussaint, qui est tête de liste... Avec vous. Et ce que je voulais vous dire simplement, c'est que l'action que vous menez, eh bien, là, à la fois, nous la soutenons, mais nous la partageons et nous essayons, autant que faire se peut, avec l'ensemble de mes collègues, et notamment mes collègues écologistes, de l'amplifier et de la rendre plausible dans les institutions dans lesquelles nous sommes élus. Tu comprends? Ouais, vas-y. Attends.
sur le camion. Où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ok, du coup on est au siège social de Amundi à Paris et en fait tout à l'heure il y a des activistes qui se sont introduits à l'intérieur et puis il y a des activistes qui ont aussi fait une fête devant, etc. Et puis il y a eu pas mal de violences et du coup là on est ressorti, on est plutôt calme et on aimerait bien juste partir tranquillement sans être contrôlé et voilà, on doit être 350-400, on pourrait partir sans problème quoi. Pourquoi cibler Total et pourquoi cibler Amundi? Bah là c'est un peu une date symbolique, aujourd'hui il y avait l'AG à la fois de Total et d'Amundi et en plus c'est le centenaire de Total qui est le premier émetteur d'émissions de CO2 et Amundi c'est le premier financeur de Total, donc voilà c'est des cibles qui sont absolument écocidaires et qui nécessitent d'être ciblées et visibilisées. Pourquoi ce genre d'action c'est important pour vous? Pour moi ou pour le groupe? Bah, c'est important pour nous de visibiliser toutes les problématiques qu'il peut y avoir, bah, notamment autour de Total, avec les projets qui se font, genre ICOP et tout ça. Et puis c'est important aussi de faire masse et de montrer qu'on ne les laissera pas faire quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'on est là et qu'on est venu en nombre aujourd'hui. Personnel, c'était important pour vous de vous mobiliser sur ce jour-là? Ouais, moi c'était super important pour moi de venir. J'habite à Toulouse et je suis venue jusqu'ici pour montrer que je suis contre cette entreprise, contre Total, contre Amundi qui finance Total et que contre ce système globalement qui m'amène moi personnellement vers une mort horrible ou des conditions de vie vraiment inacceptables, même en France. Sur le mode d'action, il n'y a pas eu de violence physique, mais il y a quand même eu des dégradations. Ça vous choque pas? Il faut passer par là pour se faire entendre? Bah, le problème, c'est qu'on a déjà fait d'autres modes d'action pendant des années, quoi. Et qu'au bout d'un moment, il faut peut-être penser à la diversité. Il y a eu à la fois des dégradations et à la fois aussi tout un aspect coloré, festif, symbolique. On n'est pas là pour casser. En fait, les dégradations, elles ont été faites pour pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment et c'est tout. Et voilà, l'idée c'est de montrer qu'on est là, que c'est aussi notre espace, qu'on aimerait bien avoir une voix en tant que citoyen d'une pseudo-démocratie dans les décisions qui sont prises pour notre futur. Il faut monter d'un cran pour se faire entendre vu que les autres modes d'action n'ont pas fonctionné? Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question, si je l'avais ce serait cool. Mais je pense que la diversité est importante et que là on a prouvé qu'on pouvait fonctionner collectivement. Il y a plus de 80 organisations qui sont réunies aujourd'hui. On peut fonctionner collectivement avec des modes d'action différents pour se faire entendre et pour œuvrer vers un monde meilleur. Non, plus. Ça me choquait avant, ça me choque plus. Avant, je pensais encore qu'on avait une voix par les élections, par la manifestation pacifiste, etc. Je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et donc aujourd'hui, je soutiens ce genre d'action. J'ai niqué ma caméra.
la Canon, elle a pris la flotte, elle a pris la peinture, elle a pris des coups. Pour l'instant, elle ne marche pas. Donc je vais peut-être devoir aller à des valeurs. J'ai mon matériel juste là, je vais juste récupérer ma cam. Mais je veux pas gêner. Pour l'instant vous passionnez, je veux pas sentir. Doucement, doucement.